Quelque chose. À moi la viande de peau tendre! Une attaque? Oh oui! Elle risque d'être sanglante! Minute! Tuez tout le monde! Pour le maître! À manger! Je vais préserver ma lame pour un autre! Mais l'envie de l'utiliser sur toi est bien plus forte! Ah oui! Oui! Plus de ça! Je vais faire des flûtes des ongles. L'occasion se présentera. Il n'était pas si fort, papa. L'odeur de chair fraîche risque d'attirer les charognards. Et ils se déplacent en groupe. Il faut qu'on parte. Vite. La reine sera ravie de vous voir. Du rivage. Mère. Le rôdeur déchu de la porte noire. Approchez. Votre fille dit que vous avez quelque chose pour moi. Pas pour vous, Talion. Le temps est compté. Bientôt, l'armée du Seigneur des Ténèbres marchera sur le Mordor, mais
Un grand pouvoir peut être invoqué pour empêcher cela. C'est pour ça que je suis là. Passez par l'escarpement de Morgoth. Prenez l'artefact elfique aux mains des Ghuls. Et trouvez le nain. Tenez bon. De quel mal souffre votre mère? On l'ignore. Ça a empiré après ces voyages. Vous n'avez pas de remède? On en avait. Mais notre camp a été envahi. Je dois trouver le chemin de l'escarpement de Morgoth. J'ai des chances de retrouver la piste des Ghuls à la caravane pillée qu'on a dépassée près du ravin. Fortification de ma demeure, faite en pierre de mémoire. Comment se fait-il que la reine connaisse ton passé? Le savoir ancien est invisible, sauf pour les esprits. Elle voit dans les deux mondes. Alors elle nous conduira peut-être à ce qu'on cherche. La nature prospère à Nourne. Je n'aurais jamais cru voir autant de vie au Mordor. C'est ainsi que Sauron va nourrir ses armées. Par les eaux blanches du fleuve Anduin. Par les couleurs si nombreuses et chatoyantes, puisse Nurnen se tourner vers Marwen et mon don de voyance. Puisse les éléments de la terre, du feu et de l'air former un passage vers l'invisible. Esprit de Valinor, entendez mes prières et renouvelez le pouvoir de la reine du Rivage. Ces hommes des tribus sont désespérés. Ils sont prêts à tout pour résister aux Uruk. Je crains que l'Itariel n'abandonne jamais. Son honneur causera leur perte à tous. Ses yeux ont pu voir ta véritable forme. Elle veut que le créateur des anneaux de pouvoir se réveille. Na nihir glar Mordor. La
C'est qui, celui-là? Un voleur malheureux, Forlun ou Gorfa de la sécu. Il hurlait pour que sa femme l'accompagne. Les gars l'ont un peu calmé. Plus qu'un peu. Il est mort? Non. Les gars connaissent ce fou furieux. Il va parler. Ce fumier, c'est peut-être même où se cachent ces petits amis voleurs. Dépouille-le. Prends aussi l'anneau et amène-le au chef. Il adore ce genre de truc. Et quand il se réveillera... Il n'y a rien que ces Uruks ne profaneront pas. Pour eux, la beauté n'existe que pour être détruite. Je crois avoir entendu quelque chose. Avant de les massacrer. Les Gulls sont des charognards. Ils prennent tout et ne laissent qu'une chose derrière eux. Il faut trouver les traces des Gulls. D'abord, il faut apporter ces tonneaux ici. Et après, il faut transporter ces mêmes tonneaux là-bas. Voilà notre piste.
creux se hâte la mort. Alors ce doit être l'escarpement de Morgoth. Le plus sage est de rester discret. Ils ne me verront pas si je reste en hauteur. Les gules craignent le feu autant que la lumière. Ces flammes seront utiles si on est submergé. L'objet doit être là. Forgé par le Seigneur des Ténèbres, et toujours taché du sang de ma famille. Il ne reste que nos os. De cette obscurité.
flammes vont les arrêter. De la mort si on ne l'atteint pas à temps. Dommage de finir ta carrière militaire dans la panse d'un ghoul, hein? Je suis Torvin, le chasseur de bêtes. Et je parie 10 pintes que t'as mis la main sur le trésor que je cherchais. Bien, je te remercie pour ton aide. Mais ça ne te donne aucun droit de propriété. Garde-le, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Et de quoi s'agit-il? D'un nouveau compagnon de chasse! Oh, ce que tu chasses, ça ne m'intéresse pas, maître nain. Même s'il te mène au burin qui appartient à ce marteau. Chaque créature a son leurre, hein? Le tien semble... très vieux. Mais enfin, si le frisson de la chasse te fait envie, mon camp est tout proche! Après ta vision, Celebrimbor. Je me suis servi de tout ce qu'il m'a appris pour forger les trois en secret. L'eau, l'air et le feu. J'aurais dû être un meilleur chasseur.
vengerai, mon frère. Je chasserai ce gros Ganton. Je deviendrai le chasseur que tu as toujours voulu faire de moi. Il a perdu son frère. Chasseur et chassé, la mort les rattrape tous.